Jésus, Jésus. Yeah, 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 yeah. Yeah. Jésus, Jésus. Jésus. Yeah, 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 yeah. 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 Nous allons nous diriger du côté de la chefferie traditionnelle. Parce que c'est le village qui invite. La chefferie est là. Avec la notabilité. Nous allons nous diriger vers la chefferie. Je salue les vieux, la jeunesse, les dames et toute la notabilité. Je parle au nom de la chefferie de ce village. Je suis Yaobledi Dominique, chef du village. À ce titre, je souhaite la bienvenue à notre invité, le prophète Crasso. Et les vraies nouvelles ne devraient pas se passer ici, mais comme il est venu directement sous la bâche, je crois qu'on ne peut pas trop parler. Tout ce qu'on doit dire, c'est de nous souhaiter bonne arrivée dans le village de Sologou. Et que Dieu guide ses pas pour qu'il prie pour toute la population de Sologou. Ce qui explique que l'invitation vient de la chefferie elle-même. Oui, l'invitation vient de la chefferie. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Tu as été invité par la chefferie.
pour le village, pour le compte du village de Soloku. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour son sauveur? Le prophète Joël Crasso, shalom, on se tient debout tout le monde. Ah, son cri cri. On se tient debout, on acclame Jésus pour son serviteur. Ma peau, yéda peau, ni nona kala peau. Ma peau, yéda peau, alléluia kala peau.
Que Dieu vous bénisse. Je suis très heureux d'être là. Je remercie le chef. Je remercie les notables. Je remercie tout le village. Ce que j'étais en train de faire, c'est ce qu'on fait. Pour celui qui aime son village, c'est ce qu'il doit faire. Priez pour que Dieu restaure le village. Priez pour que Dieu bénisse le village. Je suis le maréchal de la brigade anti-sorcier. Est-ce que le chef est d'accord? Je suis entièrement d'accord. Moi, je suis là à cause des sorciers. Mon travail, c'est attaquer la sorcellerie. Est-ce qu'il est d'accord avec? Et vous ne voulez quoi? Pas de commentaires. Je l'ai tout à l'heure dit. Quand Dieu met quelqu'un au monde, c'est pour qu'il vive sa vie et un jour il va le rappeler. Mais s'il y a des gens qui l'empêchent et que Dieu a créé quelqu'un pour l'enlever de son passage, je suis entièrement d'accord. On a vu le chef est d'accord. Je suis d'accord. J'ai été choisi le chef du village. Et donc, je parle au nom de toute la population de Je suis d'accord. Vous avez la clé du village pour travailler comme vous le voulez. Ne passe pas par mille chemins. J'ai un don à moi. Quelqu'un sort chez Jésus. La sorcellerie, c'est le mal cruel de l'Afrique. Et où il y a la sorcellerie, il n'y a pas le développement. Et c'est ce que vous vivez ici. Est-ce qu'il est d'accord? Il y a quelqu'un même qui est sous la bâche. Dans le village. Il est d'accord qu'on mette la main sur les sorciers. On commence, on va au bout. C'est pas aller loin. Y a pas stop. Dans le cadre, aligné avec le cadre. Est-ce qu'on est d'accord qu'on parle jusqu'au bout? C'est compris. Quand on voyage, on arrive au bout. Ce n'est pas sur ce territoire-là. C'est sur dans la termité que juste à la rentrée. Avant de commencer, je vais détruire d'abord la termité. Est-ce qu'on peut m'envoyer la
Là. Avant de commencer le travail, il faut que ça soit détruit pour que je puisse voir le village. Sinon, tu ne vois pas le village. Le village de Soroko est caché là. L'instance sorcellerie est venue cacher le village. Donc, il faut que ce village soit libéré. Et j'ai commencé à faire un travail. Cassé. Vraiment, quoi d'autre, Sodom? Chaque fille est là-bas.
I'm gonna go to the hospital.
C'est leur don. Ils évangélisent. La délivrance du village. Vous savez quoi? Le village est lié ou c'est caché quelque part. Donc il faut libérer le village. Quand nous lisons la parole de Dieu, dans le livre de Jean, à partir du chapitre 11, nous allons lire une histoire de la mort de Lazare. Nous allons lire à partir du verset 32. Vous êtes la vertu. Vous allez comprendre ce qui est en train de se passer. J'ai rien de démoniaque. J'ai rien de satanique. C'est un don de l'esprit qui se manifeste. Le bras a une fonction, sa manière d'opérer. Le bras ne peut pas prendre la place de l'œil. Voilà, donc
Sur le corps humain, il y a chaque membre, il y a chaque organe. Ça, chaque organe joue, n'est-ce pas, un rôle. Nous sommes venus pour la délivrance. Depuis que j'étais à Divo, et comment Divo, je voyais le village dans la termitière. Elle ne peut pas parler, délivrer le village tant que je ne vois pas le village spirituel, physiquement. Spirituellement, le village est caché. Donc je ne peux pas venir parler pendant que je ne vois pas le village. Vous êtes dans un endroit où le village, sur le plan spirituel, le village n'est pas là. Ils ont caché le village. Donc avant toute intervention, il faille que nous venions détruire là où le village a été enfui. Et quand le village est libéré sur le plan spirituel, okay, on peut maintenant faire un ratissage pour régler dans le village tous les sorciers. Jean chapitre 11 à partir du verset 32. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus. Bon, le verset 34 va nous intéresser. Ce n'est pas trop long. Le verset 34. Et il dit, où l'avez-vous mis? Très bien. Et il dit, où l'avez-vous mis? C'était une parole forte de Jésus-Christ. Jésus avait pour ami Lazare. Et Lazare avait deux sœurs. Donc Marthe et Marie. Lazare tombe malade. On envoie un message vers Jésus. Jésus ne vient pas. Et Lazare est mort. Au moment où Jésus partait, entrait dans le village. Lazare était déjà enseveli. Jésus a beau discuter avec eux. Mais Lazare est enseveli. Alors Jésus parle avec eux. Et ce qui va intéresser Jésus, où ils ont mis Lazare? Amen. Où ils ont mis? Ce qui intéresse Jésus dans ce village, où les sorciers ont mis le village. Nous ne sommes pas venus pour bavarder. Jésus vient, il dit, où l'avez-vous mis? Jésus Christ, il y en a des sorciers. C'est ce que je veux. Montrez-moi où l'avez-vous mis. Et ils ont dit à Jésus, mais il sent déjà. Et Jésus part. Et Jésus dit, Lazare. Mais Jésus Christ, la place n'est pas dans le tombeau. Lazare sort. La place de son repos n'est pas dans la terre. Et c'est ce qu'il a fait tout à l'heure. Spirituellement parlant, je viens de repositionner le village. Pour ceux qui n'ont pas des yeux spirituels, cette action, le monsieur meurt parce qu'il vient travailler dans le vide. Moi, je ne suis pas venu faire un travail dans le vide. Je suis venu apporter une délivrance. Et ce qui m'intéresse, où les sorciers ont mis le village? Où les sorciers ont mis Soroko? Parce qu'il y a le Soroko physique, et il y a Soroko spirituel. Et c'est le spirituel qui fait Soroko. Sinon, si le spirituel n'est pas délivré, le village reste toujours bloqué. Le village reste toujours bloqué. C'est ce que nous venons de faire. Nous venons de poser une action pour libérer le village de cette emprise. C'est maintenant. Je peux maintenant parler. Il a demeuré. Je peux vous parler. Juste derrière à côté, il y a une maison inachevée. Il y a un gonnet. Vous devez courir. Voilà, c'est un rabattoir. Bon, ça ne m'intéresse pas pour le moment. Ce qui m'intéresse pour le moment, je vais vous expliquer un peu la sorcellerie. Celui qui ne croit pas la sorcellerie, c'est lui-même le sorcier. Ça ne se discute pas. Pourquoi? Parce que la sorcellerie, là, en français, on dit sorcellerie. En béton de gougnon. En doulant de soubara. Même en chinois, dans toutes les langues de la terre, ça existe. Le nom existe. Bon, quelque chose qui n'existe pas ne peut pas avoir de nom. Quelque chose qui n'existe pas
ne peut pas avoir de nom. Alors si ça existe, c'est un nom. Oh, dans un bété, quand on dit gougno, ça veut dire quelqu'un qui fait peur, c'est un sorcier, un lanceur de sort. En français, quand on dit sorcellerie, c'est celui qui lance un sort. Donc, il n'y a pas de bon sorcellerie. Celui qui dit il est sorcier, pour lui est bon. C'est un menteur. Parce que il n'y a pas de bon sida. Sida, c'est sida. Il n'y a pas pour moi. Il y a sida là pour moi, est bon. Il meurt. Sida, c'est sida. Donc ne jouez pas avec l'expression sorcellerie. Quand, c'est comme un voleur. Il va venir te dire, il est voleur, mais il est un bon voleur. C'est faux. Un voleur, c'est un voleur. Un voleur, c'est un voleur. Donc c'est pour dire, la sorcellerie existe. Ok, nous sommes d'accord là-dessus. Celui qui n'est pas d'accord, c'est un enfant de Satan. Celui qui n'est pas d'accord sur ça, il est enfant de Satan. Ok, maintenant, on doit savoir comment fonctionne la sorcellerie. Oui. Comment fonctionne la sorcellerie? Et beaucoup sont ignorants sur le système de la sorcellerie. Et les gens ne veulent pas qu'on en parle. Oh, et les sorciers aiment bien ça. Les sorciers aimeraient que vous restiez dans l'ignorance la plus totale. Que vous les ignorez et puis commencent à travailler. Et quand quelqu'un va commencer à parler, ah, toi tu parles des sorciers. Les sorciers dans tout le ils existent. Ils ont les œuvres. Écoutez, il y a ce qu'on appelle les œuvres de Dieu et il y a les œuvres du diable. Ne mettez pas tout sur Dieu. Malheureusement, mes parents Djoula, quelqu'un il a fait un accident, c'est Dieu. Quelqu'un même l'a tué en sorcellerie, c'est Dieu. Non, il y a les œuvres de Dieu et il y a les œuvres du diable. Écoutez, la volonté de Dieu, c'est que chacun d'entre nous n'est pas né par accident. Nous ne sommes pas nés par accident. Nous sommes nés et nous avons une destinée. En français, quand on dit destinée, il y a une destination. Ça veut dire que tu pars de quelque part et tu arrives quelque part. C'est ce qu'on appelle la destinée. Or, la destinée de l'être humain, selon Jérémie 29, la Bible dit qu'il est un projet de paix sur nous et non de malheur. Un projet de paix, non de malheur. Pour nous donner de l'avenir et de l'espérance. Donc, en vérité, Dieu aimerait que tu prospères. Est-ce qu'on a bien écouté? Dieu veut que tu réussisses dans ta vie. C'est le plan de Dieu. C'est le plan de Dieu. La preuve, quand il a créé Adam et Ève, il a créé un jardin qu'on appelle le jardin d'Éden. Il y avait tout dans le jardin. Dieu, quand ce que le diable vient le dérouter de ce jardin. Dieu est toujours à cette position. Pour toi et moi, Dieu n'a jamais voulu que tu sois stérile. Dieu n'a jamais voulu que tu sois pauvre. Dieu n'a jamais voulu que tu sois célibataire. Dieu n'a jamais voulu que tu sois malade. Ce sont les œuvres du diable. Donc, le diable, il a ses œuvres et Dieu a ses œuvres. Le diable, on l'appelait Lucifer, c'était d'abord un ange de lumière. Écoutez-moi très bien. Satan qu'on appelle Satan aujourd'hui, il était d'abord un ange. Et puis il est devenu déchu. C'est ce qui est toujours dit aux gens. Judas est un disciple. Il est devenu traître. Donc il y a l'histoire de Satan. Satan était d'abord ange de lumière. Et puis, il est devenu esprit des ténèbres. Lumière et ténèbres. Et comment il travaille? Il s'est rébellé contre Dieu. Vous savez très bien que toute une rébellion se mate. On ne joue pas une rébellion. C'est ce qui s'est passé dans le ciel. L'archange Michael et ses anges ont chassé Satan. Et ils sont descendus sur la terre. On dit malheur à la terre et la mer parce que le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère. Donc le diable est descendu. Lui, il est Satan. Ses agents sont des démons. Ils sont plus nombreux que les êtres humains. Malheureusement. Et ils possèdent des gens. Ce sont des esprits. Il peut posséder d'un esprit méchant. Et tu deviens sorcier. Comment ça se manifeste? Tu n'as plus de pensée pure. Quand quelqu'un pose un acte, tu le jalouses. Il y a deux formes de jalousie. Il y a la jalousie. Ma femme, je ne veux pas trop que tu reçois des messages. Ça, c'est jalousie pour protéger. C'est pas sorcellerie. Mais compris. Si la femme dit, monsieur, tu sors trop,
c'est pas sorcellerie. Oui, tu m'as nommé. Voilà, ma femme, le prophète dit que jalousie. Non, il y a jalousie. Vas-y, dis même les gens. Mais il y a une forme de jalousie. Moi, c'est de ça que je vais parler. La jalousie haineuse. C'est-à-dire, quand quelqu'un a quelque chose, tu n'es pas content. Et tu fais les nuits. C'est une forme de sorcellerie. Et ça anime ceux qui sont sorciers. Voilà, donc quand quelqu'un est sorcier, il ne veut pas du bien de quelqu'un. Parce qu'il a en lui l'esprit méchant. C'est un esprit de mal. Quand quelqu'un a l'esprit de Dieu, c'est un esprit saint. Écoutez très bien la prononciation des paroles. Quand quelqu'un a un esprit saint, il a un esprit qui est pur. Il a amour. Mais quelqu'un qui n'a pas Dieu, il a un mauvais esprit. Donc, ça agit dans son comportement. Oh, le sorcier, vous le voyez physiquement, mais il travaille la nuit. Il a une autre vie qu'il mène là-bas. Celui qu'on vient d'initier à la sorcellerie, chaque mois il doit donner une personne. Oui, c'est comme ça, chaque mois. C'est comme ça, c'est règle. C'est une loi. Chaque mois il doit donner une personne. Donc l'année il donne 12 personnes. Voilà, vous voyez, ça prouve que vous ne connaissez pas la sorcellerie. Vous ne connaissez pas, c'est ça que vous ne combattez pas la chose. Or, c'est dangereux, plus grave que le cancer. Je suis allé à l'ONU cette année dernière pour dire à Nations Unies et que la pratique de la sorcellerie doit être reconnue comme un crime contre l'humanité. Parce qu'un sorcier qui est le chef d'une confrérie, il tue 365 personnes par an. Chaque jour, tu mais justement, regardez, c'est quel continent où on ne vieillit pas? Chez nous, on ne vieillit pas. Sur la grosse durée, c'est 70 ans. On nous mange seulement. Sauce de cliti, sauce blala, sauce jingle, placali, on nous mange seulement. Parce que sorcier veut dire mangeur d'âme. Ah oui, sorcier veut dire mangeur d'âme. Il mange l'âme d'une personne pour se procurer, n'est-ce pas, du pouvoir. Il vit de ça. C'est ça que là où il y a la sorcellerie, vous allez voir des crimes spirituels. Des crimes sans trace. Souvent la mort de gens, de certaines personnes reste comme un mystère. On fait tout, on met ton argent. Si sorcier c'est toi, tu vas beau mettre ton argent, ils vont te tuer. Parce que le problème, il est spirituel. Il y a deux mondes. Il y a le monde spirituel et le monde visible. C'est ça que Jésus dit, tout pouvoir m'être donné dans le ciel sur la terre. Mais c'est ce qu'on ne voit pas le monde spirituel. À moins que tu aies les yeux spirituels. Mais ça existe. Amen. Ça existe. Ce qui vient de faire, c'est un travail spirituel. Tant que je ne fais pas ça, je ne travaille pas. Parce qu'en réalité, le village est ici. Parce que les sorciers, ils ont cette capacité de prendre ton âme, même caché dans une bouteille. Ils même prendre ta chance, ton mariage, aller cacher ça dans une tombe. Avant là où je suis allé faire sortir un passeport dans une tombe. C'est mon travail. C'est mon travail. Vous êtes là, le chef m'a dit de vous attraper. Je vous attrape, ça c'est, je ne m'amuse pas. J'ai fini de faire ce que je pouvais faire. Je vous attrape. Un à un, ce que vous avez fait en visage, vous allez parler. Et ça ne m'amuse pas. Ça. Moi, c'est mon travail. Amen. 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 Ouais. Toute fois que je parle de ce sujet, ça met beaucoup de patience. Parce que quand on vous éclaire, quand on vous ouvre les yeux, parce que les blancs, les occidentaux, fuient les premiers à combattre la sorcellerie. Allez faire vos recherches sur Google. Allez faire sur Internet, allez-y. Cliquez sur Google, la chasse aux sorcières. Comment ils ont fait ça? C'est moi, je vois pas de motif. Qu'est-ce que Google, vous allez voir? 300 ans. Yo, bien, vous.
Ils ont pris 300 ans pour chasser, pour combattre les sorciers. 15, 16, 17e siècle. Voici le combat que les Occidentaux ont mené. 300 ans. 15e siècle, 16e siècle, 18e siècle. 15, 16, 17e. Et ils ont connu le 18e siècle. Pour tous ceux qui sont à l'école, savent que le 18e siècle, c'est le siècle de lumière et de la révolution industrielle. Ils savent. On dit lumière. Or, en français, quand on dit lumière, c'est qu'il y a eu les ténèbres. Or, le diable, on appelle l'esprit des ténèbres. Ok. Donc, quand les Blancs combattent la sorcellerie, pendant trois siècles, okay. Ils ont eu un siècle glorieux. Et c'est à partir de là qu'il y a eu des savants. Le 18e siècle, appelé le siècle de lumière de la révolution industrielle. Mais pour qu'ils arrivent là, au 18e siècle, ils ont combattu la sorcellerie. Les sorciers, vous voyez là, faut avoir master. Et ils s'en foutent de ça. C'est la capacité de retenir qu'on appelle la mémoire. Une mémoire. Passons le portable à une mémoire, 32 gigas, 30, et ils viennent t'arracher la mémoire que tu as. Et du coup, tu vis. Ils te retournent dans la rue comme un fou. Mais non, grâce à Foucault Sagnon. Il ferme ton travail, tu te retrouves au village. Il ferme tout. C'est ce qu'on appelle les œuvres de la sorcellerie. Si tu allais à l'école, que tu as eu un diplôme, ça veut dire que tu dois travailler. Si tu ne travailles pas, c'est qu'il y a quelque chose. Si tu ne te délires pas, tu ne vas jamais travailler. Donc, là où il y a la sorcellerie, il y a le chômage, il y a la mort, il y a le malheur. L'Afrique que vous voyez là, notre continent, c'est le continent d'avenir. Tous les Blancs savent ça. Et tous ils envient l'Afrique. Ils veulent posséder l'Afrique. On a tout. Nous avons l'or, nous avons pétrole. Nous avons... Mais pourquoi nous sommes pauvres? Pourquoi? Ça coûte la sorcellerie. Ça coûte la sorcellerie. Et là où la sorcellerie est éradiquée, le succès s'impose. La longévité s'impose. N'est pas combattre la sorcellerie. Mais c'est donner la place à la mort prématurée. Ah oui, Et ici à Gagnon, c'est un fonds de commerce. Il faut tuer les gens. C'est un fonds de commerce. L'Afrique n'a plus besoin de ça. Nous voulons être développés, mais pour atteindre le développement, il faut que la sorcellerie soit matée. Je vais recommencer un travail. Est-ce qu'on peut poursuivre le travail? On va jusqu'au bout.